Deux secteurs du Québec sont présentement sous avis de conduite hivernale, donc la réserve faunique des Laurentides, certains secteurs de la Côte-Nord au niveau de Manic 3 et de Manic 5. Et cet avis, il est dû au fait qu'on attend de la neige dans ces secteurs, donc des accumulations sur les routes qui pourraient rendre la conduite un peu plus difficile. Et aussi, c'est la première neige de la saison pour plusieurs de ces secteurs, donc on n'est pas encore nécessairement habitué à la conduite hivernale. Certains ont encore leurs pneus d'été aussi, alors ça pourrait rendre les conditions un peu plus difficiles. Le responsable de cette neige, c'est un système qui stagne sur le Québec. Déjà hier, on a commencé à voir des accumulations de neige. Ça se poursuit aujourd'hui avec de la neige possible tout au long de la journée dans la réserve faunique des Laurentides. Un mélange de précipitations qui pourrait se faire aussi de ce côté-là. Donc la 175, la 169, la 381, la chaussée pourrait être enneigée ou partiellement enneigée. Les conditions pourraient changer assez rapidement. Alors si vous prenez la route, soyez prudents.